passage. Ce maudit rebelle a pillé le sanctuaire. Il a versé le sang sur une terre sacrée. Habitants de Delos, vous avez un grand cœur. Mais c'est à notre tête que nous devons faire appel. Il mérite la mort. Nous réclamons justice. Mais à qui la mise à mort de cet homme rendrait-elle justice? Peut-on se permettre d'être partial quand on demande réparation? Ne faut-il pas d'abord définir ce qu'est la justice? N'écoutez pas les Athéniens, ils ne font que parler sans fin. Nous voulons des actes. On envoie le rebelle à Mykonos où rien n'est sacré. On le tue là-bas. La vie a de la valeur, où que nous soyons. Socrate, tu te fais des amis partout où tu vas, n'est-ce pas? Cassandra, quelle agréable surprise. Qu'est-ce qui t'amène à Delos? J'aide un groupe de rebelles de Delos. Mais ont-ils vraiment besoin d'aide? La décision de se rebeller elle-même ne suffit-elle pas à se libérer de l'oppression? Oh, n'essaie même pas. Je ne me laisserai plus entraîner dans une de ces discussions. Il y a pourtant une situation pour laquelle j'aimerais avoir ton avis. Très bien. Les soldats ont capturé un rebelle. Il a volé le sanctuaire afin de financer la rébellion. Lorsque les gardes ont tenté de l'attraper, il a tué l'un d'eux. Un meurtre à Delos? On va probablement l'exécuter. Oui, même s'il est illégal de le tuer ici. Alors il attend son sort, être transporté vers Mykonos. Et moi, quel est mon rôle? Penses-tu que ce rebelle mérite la mort? Que le tuer sera faire justice? Je vais te répondre en te demandant ceci. Qu'est-ce que la justice, au juste? Une question brillante. Il a volé ce qui est mal. Mais c'était pour la liberté de son peuple, ce qui est bien. Il a tué un homme. Pour sauver sa propre vie. Il a enfreint une loi sacrée dont il savait qu'elle honorait les dieux. Donc tu dis qu'il peut tuer et voler, mais que s'il tâche le sol, il doit avoir la gorge tranchée. Je n'affirme rien. Mais en nous écartant de la règle, ne devenons-nous pas des animaux? Tu connais déjà mon avis. Je peux y aller? Bien sûr, bien sûr. Il reste néanmoins un point. Ah, comme d'habitude. Ce rebelle est détenu au nord d'ici, à l'Estiatorion. On doit l'envoyer à Mykonos demain. Attends, tu cherches à me persuader de sauver cet homme? Persuader? Jamais. Mais je suis curieux. Maintenant que tu sais où on le retient et pourquoi, irais-tu le sauver? Je vais rendre visite à ce rebelle. J'ai l'impression que nous avons beaucoup en commun. Je m'en doutais, mais je n'ai pas d'argent à t'offrir. Seulement du savoir, que l'on devrait préférer, car il est permanent, pas provisoire. Eh bien, c'est déjà ça, j'imagine. Bios et me perpèse. Rebelle est là. Cet endroit sera en alerte. Ah. Ah. Ah.
Lâchez-moi! Vous ne me ramènerez pas sur Mykonos. Kira va venir et vous tuera tous. Les banques de corps, c'était les seuls Apollo. Je ferai mieux. Merci, Mystios. Ils allaient me tuer, mais tu les as tués la première. D'autres vont venir. Vite, je t'ai suis-moi. Ça t'a plu de verser le sang sur cette terre sacrée, comme à moi. Je ne suis pas comme toi. Maintenant, tais-toi et suis-moi. Tu vas me faire tuer. Mort à nos oppresseurs! Et à tous ceux qui tenteront de s'emparer des îles de Delos. Nous sommes libres! D'autres gens vont mourir si tu ne te tais pas. C'est le silence qui a causé tout ça. Il faudrait que tu apprennes à te taire. Tu aurais pu nous faire tuer. Alors notre sacrifice enflammerait le cœur des rebelles. Ils jetteraient à la mer tout étranger à Delos pour que Poséidon le réduise en bouillie. Tu sais que je ne suis pas de Delos. Et les Spartiates qui ont combattu et sont morts pour la rébellion ne l'étaient pas non plus. Athènes veut ses îles pour leur richesse. Sparte les veut pour elle-même. Jamais je ne les abandonnerai. On n'a pas besoin de ces gens. On ne veut pas d'eux. Delos appartient à ses habitants. Maintenant, si ça ne te gêne pas, je vais aller voir Kira. Les rebelles doivent quitter leur grotte. C'est maintenant qu'il faut frapper. Je ne peux pas te laisser regagner Mykonos seul. Je le savais, tu es avec eux. Tu n'es pas d'ici. Je vais vous envoyer chez Hadès, toi et les tiens. Malaka. Socrate, un autre étranger a versé le sang en un lieu sacré. Peut-être bien, mais les erreurs sont un défaut de l'intellect.
pas du caractère, n'est-ce pas? Ces terres sont sacrées! Nos lois sont claires! Oh, vraiment? S'il est impossible de savoir ce qui est juste, et donc de faire le mal, cet étranger a agi par ignorance, et non pas par malice. Donc selon toi, il faut expliquer les lois à toute personne qui se trouve sur l'île? Si une loi est vraiment juste, ne peut-on la connaître par simple déduction? Oh, Cassandra, te voir à Délos remplit mon cœur de joie. Dis-moi, comment s'est passée ta rencontre avec le prisonnier rebelle? Tu ne m'as jamais dit que c'était un fou subversif. Qui suis-je pour juger ce qui est extrême ou fou? Ne le sommes-nous pas tous, à un moment ou à un autre? Ils vous auraient jeté à la mer, ta philosophie et toi. Peut-être quand j'étais plus léger, tant en chair qu'en philosophie. Alors, dis-moi, as-tu pu résoudre cette situation sans verser le sang? Ce rebelle avait une garde, je l'ai relevé. Intéressant. Tu as estimé que la vie d'un voleur et meurtrier valait plus que celle de soldats faisant leur devoir. Pour être franche, je n'ai même pas pensé à lui. Qu'est devenu le rebelle? S'il sait ce qui est bon pour lui, il devrait être en route pour Mykonos. Nos choix sont comme des rides sur l'eau. Au début, ils semblent minuscules et insignifiants. Mais avec le temps, ils peuvent se muer en raz-de-marée dévastateurs. Je te remercie, Socrate. Je peux toujours compter sur toi pour me donner un impossible mal de crâne. Oh, mais de rien, Cassandra. J'espère te revoir à l'occasion d'un banquet. N'y compte pas trop.